Alors moi c'est Raphaël, je suis libraire spécialisé en bande dessinée du coup chez Bulle de Salon dans le 17e arrondissement. Rikudo, en fait, on va suivre l'histoire d'un jeune enfant qui s'appelle Riku Azumi, qui en fait a une vie a priori assez tragique. Au début, on va le suivre déjà, il va être retrouvé en fait par un boxeur, un ancien boxeur, qui est maintenant un collecteur de fonds, dans une maison abandonnée, en train de frapper le cadavre de son géniteur. Donc a priori, c'est quand même assez sombre, assez glauque. On se demande un peu comment il va pouvoir tourner ce jeune garçon, et en fait, du coup, comme son père est décédé, il va aller vivre chez sa mère. Seulement sa mère, maintenant, habite avec un dealer de drogue ultra violent. Et suite, justement, à une bagarre entre sa mère et son beau-père, il va s'interposer entre les deux et, un petit peu malgré lui, il va tuer son beau-père, qui est du coup le dealer. Et suite à ça, il va se faire placer en fait dans un orphelinat et du coup le collecteur de fonds qu'il avait retrouvé, qui était un ancien boxeur, le jeune Riku s'identifie totalement à lui comme il voit qu'il sait se battre et il lui demande en fait de lui apprendre la boxe, toutes les petites ficelles, et l'autre refuse évidemment parce que c'est pas du tout son métier, c'est un mafieux, donc a priori c'est pas du tout, il a pas le temps pour faire ça, et il va le diriger plutôt vers la salle de boxe qu'il avait formée au tout début. Et donc du coup, c'est là que va commencer réellement l'histoire de Riku Azumi, qui va commencer à apprendre justement la boxe, ce sport de combat qui va, d'après lui, justement lui permettre de défendre les personnes qui lui sont proches. Au début, j'avoue que ça m'a un peu calmé, le début très très sombre, vraiment très très glauque. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être comme ça toute la série, parce que voilà, c'est pour le lire, c'est un peu dur. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout, c'est vraiment ça sert vraiment juste de base et de prétexte pour justement mener le personnage principal dans toute sa quête à travers la boxe et ce sport qui va lui permettre justement de défendre les personnes qui lui sont chères. Ce que j'aime beaucoup, c'est la psychologie aussi du personnage, qui est ultra silencieux, très réservé, ne parle quasiment jamais, et en fait on va s'apercevoir qu'il va s'ouvrir au fur et à mesure, mais grâce justement à la boxe et surtout aux adversaires qu'il va rencontrer. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment la violence qui va l'amener à devenir plus doux, entre guillemets en fait, à l'intérieur, qui va calmer justement sa personnalité, qui va le canaliser. Et je trouve que du coup cet axe-là est super bien écrit et super bien représenté dans cette série-là. C'est justement le collecteur de fonds, le Kyosuke, en train de fumer sa cigarette, un petit côté un peu badass avec sa cicatrice sur l'œil, qui est relativement cliché, mais pour le coup ça lui convient parfaitement. Et en fait ce qui est génial, c'est que justement pareil, ce personnage qui a priori a une armure en béton, ne ressent absolument rien pour personne, va prendre le jeune Rikudo sous son aile parce qu'on sent qu'il lui rappelle un petit peu lui étant plus jeune. Et c'est justement ce personnage qui sort de nulle part, qui va le mettre sur la voie, qui va lui permettre de se retrouver lui-même. C'est pour ça que j'aime beaucoup du coup ce personnage-là, qui a une importance assez capitale, mais qui n'apparaît pas si souvent que ça. Et donc justement, c'est vraiment très très bien dosé. C'est ce genre de double page, en fait, qu'on voit qui sont présentes quasiment à chaque combat, où on voit vraiment les deux personnages mélangés quasiment en transparence, on ne sait plus quel point est acquis, etc. Et en fait, quand on fait vraiment attention aux détails, on voit exactement chaque mouvement bien décortiqué, mais tout ça en une seule illustration. Et du coup, je trouve que ça donne une puissance assez impressionnante à chaque combat. Déjà, pas en dessous de 14 ans, a priori, parce que c'est quand même très très violent, il y a des mots durs, etc. aussi, donc ça peut choquer quand même facilement les jeunes. Mais donc plutôt 14 ans, pas besoin d'aimer la boxe. Moi j'y connais strictement rien du tout, je suis vraiment néophyte total. Même après avoir lu le truc, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais la façon dont c'est raconté, c'est vraiment tellement génial qu'on s'identifie tout de suite au personnage, quel que soit en fait vraiment le sport qu'il fait. Moi je le conseille à tous ceux qui aiment déjà évidemment les mangas qui parlent un petit peu de sport, ça leur parlera forcément, mais surtout ceux qui aiment les épopées justement du personnage qui a priori ne part de vraiment pas grand chose pour aller vers le sommet en fait, vraiment le top de la compétence qu'il a envie de vraiment de développer. Et ce qui est bien en fait avec celle-ci, c'est que c'est pas avec des pouvoirs, avec un pays fantastique et des choses qui seraient beaucoup trop faciles. Là, il apprend à la dure, il perd aussi souvent, il y a des hauts, il y a des bas, et on est vraiment plus ancré sur la réalité que sur quelque chose de totalement fantasmagorique. Et donc c'est ça, c'est ce rappel à la réalité qui je trouvais redoutablement efficace. Puissant, réaliste et excessivement génial.